On est le mardi et je trouve que c'est un vrai bordel. Et ma montre. Mardi le 13 juillet. On est mardi le 13 juillet. Puis, j'ai remis ma montre, je l'ai enlevée parce que j'ai des piqûres. Je sais pas si vous allez voir. Regardez, j'ai des piqûres partout sur le bras. Puis là, avec ma montre, on dirait que ça pique encore plus. Puis là, il est 9h09. Puis, j'attends dans le stationnement de mon travail pour commencer à travailler parce que je suis arrivée bien trop tôt. Les enfants ne sont pas à la maison parce qu'ils sont partis au camp. Fait que j'ai juste Ellie et Anthony. Puis Ellie, mon chum, il est porté ce matin à la garderie. Puis Anthony, ben, il faisait dodo. Fait que... on dirait que la matinée c'était tellement tranquille. Puis là, à un moment donné, j'avais comme plus rien à faire. Je me suis dit, je vais partir, mais j'étais arrivée bien trop bonne. Ça fait comme une demi-heure que j'étais en stationnement. J'ai été me chercher du McDo. Puis j'ai mangé ça tranquillement en regardant mon téléphone. Puis là, il me reste encore 20 minutes avant de commencer. Puis ça sert à rien de rentrer en dedans parce que, dans le fond, aujourd'hui, je fais de la vaccination chez Bell Hélicoptère. Fait qu'on fait un centre de vaccination extérieur dans le stationnement. Fait que les gens viennent à l'auto. Puis, ben, ils sont vaccinés dans leur auto. Fait que c'est ça. Fait qu'il n'y a comme rien à faire de préparation quelconque. Là. Fait qu'on arrive là vraiment à l'heure précise. Puis on commence comme, je pense, à 10h. Ben, 10h encore. Alors, c'est ça. Fait que je me suis dit, bon, je vais commencer un vlog. Je vais leur parler un petit peu. finalement, dans le dernier vlog, je vous montrais que Félix, il avait eu un peu de peine quand on était partout 15 jours. Puis le lendemain, j'étais comme trop stressée. Là, j'arrêtais pas de penser à ça. Fait que là, je me suis dit... Ils m'ont pas appelé le camp pour me dire que ça allait pas bien. Mais quand même, moi, je vais appeler. Fait que j'ai appelé au camp. Puis là, je leur ai dit « Bonjour, je suis la maman de Félix Aubin. » Puis hier, tu sais, ça avait moins bien été l'arrivée au camp. Je me demandais si ça avait bien été et tout ça. Mais tu sais, je veux pas, eux autres, ils ont des... Je sais pas combien d'enfants. Fait que on dirait que ça y disait rien, Félix. Fait que là, elle m'a dit, ben écoutez, elle dit, cette nuit, on a eu deux petites filles que ça a mal été, puis on a dû appeler leurs parents. Elle m'a dit, j'ai pas entendu de nouvelles de Félix. Fait qu'elle dit, ça devrait bien aller. Fait que je fais comme, OK. Fait que ça m'a rassuré un peu, même si je sais que c'est pas vraiment des nouvelles parce qu'elle connaissait même pas Félix. Mais bon, je me suis dit, si il serait bien. Hey, langue de ma mère, là, c'est pas top. Je sais pas si je me dis. Je me suis dit que s'il serait bien malheureux ou qu'il pleurait full, il y a bien quelqu'un qui dirait on va appeler tes parents, quelque chose, qu'il verrait. À moins qu'il pleure en boule dans son lit tout seul. J'espère que non. Mon Dieu. En fait, c'est ça. Là, on est mardi, fait qu'il reste encore mercredi, je veux dire. 3 jours avant qu'on aille les chercher. Je vous dirais que je trouve ça plus difficile d'avoir laissé Félix. Que d'avoir laissé, mettons, ben, Félix et Elsa, mais que la semaine passée, mettons, Eve, là, 2 semaines avec Elsa. Parce que, tu sais, on a tous des enfants différents, puis Elsa, elle a un caractère fort, elle sait pas marcher ses pieds, puis elle arrive à quelque part, elle prend sa place, puis, tu sais, je suis pas stressée avec elle. Elle est comme, elle est un peu comme moi, mais encore plus, j'aurais pas gêné. Tandis que Félix, c'est lui, il est tout petit, il est plus petit que la moyenne, il est timide, t'sais, il rentre à quelque part, puis il fait pas trop de bruit, puis je sais pas. J'ai plus peur pour lui que pour ma fille. Mais bon, j'allais tout le temps comme plus chouchouter mon garçon. Fait que c'est ça. Mais je sais que je vous en ai déjà parlé, mais pour ceux qui n'ont jamais entendu parler, j'ai écrit un livre sur mon expérience d'avoir eu un enfant à 18 ans. Puis aussi, je raconte un peu toutes mes grossesses là-dedans, puis mes accouchements. Puis je raconte pourquoi que Félix, je suis autant comme mère cool avec lui, spécialement avec lui. Alors, si ça vous tente, vous irez voir ça. Mon livre est en vente sur Amazon. Puis ça s'appelle 18 ans et maman. Fait que vous pouvez faire une recherche 18 ans et maman livre ou livre Myriam La Flamme Berthaud. Alors, un petit plug rapide sur mon livre. Fait que c'est ça. En gros, pour
les petites nouvelles. Puis là, je vais faire un 9h30 à 7h30 de travail. C'est un 10h. C'est quand même une grosse journée à être debout parce qu'on n'est pas assis, là. Dans le fond, quand tu vaccines dans des centres de vaccination normal, tu es assis, puis là, il y a du monde qui vient s'asseoir à ta chaise, t'es vacciné un après l'autre, tu sais. Fait que oui, c'est des grosses journées parce que tu vaccines toute la journée, mais au moins, tu es assis. Tandis que là, tu es debout toute la journée, puis il faut que tu vives avec la température qui fait. Comme là, c'est nuageux pas mal dehors. Donc, puis il a annoncé la pluie tantôt, il y en a eu un peu, mais je sais pas s'il va en avoir plus tantôt. Hein. Fait que là, soit qu'il fait fucking chaud ou soit qu'il fait vraiment frette. L'autre fois, j'étais arrivée en t-shirt et je gelais complètement. Une fille, elle m'a prêté son coton ouaté, une chance. Là, je me suis emmenée un coton ouaté. Puis en plus, j'ai un t-shirt. Fait que je devrais être bien correcte. J'avais mis mes gougounes, mais j'ai emmené mes Converse. Je suis vraiment confortable dans ces Converse-là. J'en ai deux, là. Une paire blanc comme ça, puis une paire noire. Puis on dirait que, je sais pas si c'est parce que la semaine a été épaisse, mais on dirait que j'ai moins mal aux pieds à la fin de ma journée avec ces souliers-là que des souliers de course normales, tu sais. Fait que c'est ça. Fait que je vais mettre mes bas en même temps. Parce que là, il est quand même 9h14. Ça passe vite quand on se parle. Puis, ben c'est ça. Fait que là, ce soir, ça va être une courte soirée parce que dans le fond, je finis à 7h30. Le temps que j'arrive à la maison, il est comme 8h30. Après ça, demain, j'ai congé. Ben, j'ai pris congé parce que j'avais rien dans mon horaire encore au début de la semaine. Fait que j'ai demandé d'avoir congé. Puis, dans le fond, j'avais fait une demande à mon médecin d'avoir une échographie de l'utérus parce que on dirait qu'à toutes les fois que j'ai mes règles, j'ai des énormes douleurs menstruelles. Là. Mais comme plus qu'à l'habitude. Ça, c'est depuis, je trouve que c'est pire depuis l'accouchement à mon dernier. Puis, ben, tu sais, elle me dit que ça peut être plein d'enfants, mais que, tu sais, pour être sûr, on pourrait faire une petite échographie. Mais moi, je me suis faite faire une césarienne et la ligature des trompes à la dernière accouchement, une fois à mon gars en 2019, en août. Fait que là, je me dis, tu sais, ça a-tu rapport? Ils ont-tu peut-être fait quelque chose puis que ça me cause des douleurs ou. Fait qu'on dirait que ça va me rassurer d'avoir une échographie. Puis mon échographie, c'est demain. J'avais pris comme plus tard le soir pour si jamais je travaillerais. Mais plus tard le soir, pour eux, c'était 3h45. Fait que si je travaillais, j'allais l'annuler puis au pire la remettre plus tard. Mais là, finalement, j'avais rien. Fait que je me suis pris congé puis comme ça, je vais pouvoir aller à mon échographie. Alors, c'est ça. J'ai bien hâte de savoir si tout est correct. Je pense bien que tout est correct, mais tu sais, juste pour être sûr que c'est vraiment correct, tu sais. Fait que sur ça, je vais aller travailler. Je me suis même emmené un petit lait parce que des fois, il y a comme des temps morts là, à la vaccination parce que c'est comme sur rendez-vous, puis il y en a aussi sans rendez-vous. Donc, ils peuvent pas comme savoir exactement comment ça va être occupé. Puis j'avais commencé ce livre-là, c'est vraiment bon. J'étais dans la peau des éditions Mortagne. Je pense que j'ai quasiment fini. C'est juste que genre j'avais comme pu repenser que j'avais mon livre à lire. Fait que je vais sûrement lire ça dans mes petites périodes plus mortes. Puis c'est ça. Fait que sur ça, je vais y aller avec mon petit café McDonald's. Puis c'est ça. Ah oui, je voulais vous parler. En voyant la. Si jamais là, vous avez une fille de l'âge de ma fille, comme ma fille elle a 10 ans ou aux alentours, l'année passée à Noël, ouais, c'est ça. À Noël, on ne savait comme pas trop quoi y donner. Puis j'avais donné comme suggestion à ma mère, parce que j'avais vu ça comme en annonce sur Facebook ou je sais pas où, que tu avais des abonnements à la Revue Cool. Tu sais, nous, quand on était jeunes, on achetait ça, la Revue Cool, genre à l'épicerie ou dépendant quand on la voyait, puis on trippait même gros. Puis là, il y avait des abonnements pour 12 mois. C'était vraiment pas cher, là. Puis ma fille, elle capote. À chaque fois qu'elle reçoit sa Revue Cool, elle capote. Puis elle est full contente. Il y a des revues là-dedans, des collants. Puis il y a tout le temps des surprises. Comme là, ce mois-ci, c'est justement des collants ou des tatous. Non, des tatous, je pense. C'est-tu marqué? Je le vois pas. Des tatous, oui. Des tatous, c'est marqué. Fait que c'est ça. Fait que si jamais vous avez comme la fête ou un Noël ou peu importe de vos petites filles, ben c'est vraiment cool, cool à offrir en cadeau. Puis ça fait changement de d'autres choses comme des jouets ou des affaires qui finissent par ne pas être utilisées. Ça, à chaque fois, je dis à toutes les fois, c'est comme si elle recevrait un nouveau cadeau. Là. Fait que c'est un cadeau sur une longue période, puis c'est pas cher. Donc voilà pour ce matin. Donc voilà. Là, c'est vrai que je vous quitte parce que je vais être en retard. Alors, bonne journée!
Fait que finalement, je vous mets une petite pause dans ce vlog pour vous montrer mon premier haul de friperie. J'ai été à, comment ça s'appelle? Au Village des Valeurs pour la première fois. Ben, j'avais déjà été au Village des Valeurs, mais pour acheter genre des costumes d'Halloween parce qu'ils vendent des costumes d'Halloween dans le temps de l'Halloween. Mais j'avais jamais été comme pour acheter des choses, des vêtements. Fait que là, je vais vous montrer ça. Je suis quand même contente de ce que j'ai trouvé. C'est sûr que je trouvais quand même que le linge était cher pour qu'est-ce que c'était, là. Mettons, t'avais comme un beau chandail, t'avais un chandail Nike, là, d'une bonne marque. Mais là, ils vendaient comme 12,99 le chandail. Mais tu sais, des chandails Nike, 12,99, tu peux trouver à 9,99, genre chez Winners, totalement neuf. Fait que je trouve ça un peu cher par moment. Mais il y a des choses qui vaut vraiment la peine. Fait que là, dans le fond, je suis facilement de mon échographie. Que je vais faire à 3h55, puis là il est vraiment tôt, il est 3h. Fait que je vais attendre, puis en même temps, je vais vous montrer mes achats. Puis je me suis stationnée comme dans le fin fond du stationnement pour pas personne me voir. Puis c'est ça. Fait que je vous montre ça. Puis j'ai été aussi au Costco. Je vais vous montrer mes achats Costco et mes achats du Village des Valeurs. Donc j'ai trouvé au Village des Valeurs un manteau de jeans comme ça. Puis je l'aime vraiment. Là, il est comme mou. C'est comme un manteau. Je sais qu'il n'y a pas vraiment de lumière, par exemple. C'est comme un manteau de jeans mou. C'est la marque Chaps. J'ai aucune espèce d'idée si c'est quoi cette marque-là. Chaps de main. Puis c'est un extra large. Il était 8,49. Fait que je suis quand même très contente du prix. Là, je trouve ça plate un peu parce que vous n'avez pas vraiment de lumière. Mais bon, je vais vous montrer ça. Je l'avais pas essayé. Oh my god, il est cool! Ok, je pense que c'est un extra large pour enfants. Ah oui, ça soit un extra large. Ça se peut-tu des manteaux de jeans courts ou à manche courte? Je suis pas sûre, hein. Je pense pas que ça se peut. Ça se peut-tu que ça soit un manteau jeans d'enfant? Extra large enfant? Mais non, c'est marqué femme. En tout cas, la texture et tout ça, puis la grandeur est bonne. C'est juste que c'est des manches courtes. C'est un peu juste ça qui est bizarre, là. Genre, j'ai jamais vu. Regardez. Ah, ben, je suis un peu déçue. Je vais peut-être le donner à ma fille. Je trouvais que c'était parfait comme pour avec une robe. Là. Je vais vous montrer. Je suis un peu gênée parce qu'il y a quelqu'un qui me stationne. Là, j'ai une robe. Fait que je trouvais ça comme parfait comme ça. Mais bon, on verra rendu à midi. Qu'est-ce que je vais faire avec ce manteau de jeans trois quarts? Vous me direz dans les commentaires si vous avez déjà vu ça. Hein? Manteau de jeans avec des manches trois quarts. Ensuite, j'ai trouvé une petite robe comme ça. C'est une small de chez Garage. Puis c'est en style jeans, mais ça sera pour ma fille. Comme ça. Avec le dos. Comme ça. J'ai trouvé super belle. J'ai hâte qu'elle arrive à vous montrer. Ensuite, j'ai trouvé des petites shirts Adidas. Ah, puis la robe, je vais vous dire le prix. Hein. Était 8,99. Je trouve que ça a quand même dans l'eau. Des petites shirts Adidas comme ça. Pour mon Félix, c'est des small qui étaient 4,29. Ça vaut vraiment la peine parce que ça peut être facilement 30$ une paire de shirts comme ça. Ensuite, j'ai trouvé cette veste-là qui, je suis pas sûre si elle va plaire à ma fille, mais elle était vraiment pas chère. Je me suis dit, gars. Elle était 2,99, donc c'est une veste early. Comme ça. Dans le extra large enfant. Donc, d'après moi, ça va y faire. Voilà. Fait que c'est ça pour mes achats du Village des Valeurs. Et ensuite, chez Costco, j'ai acheté ce petit kit-là pour mon Ellie. Hop, ça. C'est pas dans l'air. En fait, t'as un coton ouaté Puma, comme ça, noir, avec le t-shirt gris, avec le logo noir. T'as même des pantalons. Comme ça. Je suis bien contente. C'était vraiment pas cher, là. C'était 18,99, je crois. 19,99.
c'est un 2 ans. Je suis un peu fâchée parce que j'aurais aimé avoir un 3 ans parce qu'il va avoir 2 ans le 3 août. Mais je suis persuadée que ça va y faire quand même. C'est juste que ça y fera un peu moins longtemps que j'aurais aimé. J'ai acheté ces genres de pantalons mous, là, propres. J'en avais pas, puis j'en ai besoin parce que quand je travaille au bureau, il faut que je sois habillée propre. Puis j'ai beaucoup de jeans, moi, puis des leggings, mais j'ai pas comme de pantalons propres. Donc ça va être parfait. C'est comme ça, puis de dos, il y a des petites poches aux fesses, donc ça fait pas comme des fesses trop rien dessus. Ça forme un peu les fesses. Puis eux, ils étaient 16,90. C'est comme ça le petit dessin. Ouais, il n'y a pas beaucoup de lumière. Hein? Je suis dans un champ. Ah, regarde, le Costco, il est là. Je vais en profiter pour faire ma miniature après avec le Costco. Peut-être. Ensuite, j'ai pogné des oreillers. Deux méga oreillers. Comme ça. Parce qu'on en manque dans notre lit, on dort. Mon chum dort tout le temps avec les coussins décoratifs. Puis j'haïs tellement ça. Je dis, mon Dieu, je dois tout les frapper. Oh non! Je viens d'échapper mes serviettes blanches dans la boîte. Ça, c'est moi toute fâchée. Je suis vraiment de mauvaise humeur. Calique. Bon, fait que mon dernier item, c'était mes serviettes blanches pour le bain. J'ai trouvé ça chez Costco. Il était 5 serviettes pour 30$, si je ne me trompe pas. C'est comment qu'elle s'appelle? En même maman que j'avais vu qu'elle avait acheté ça chez Costco. Puis je me suis dit c'est vraiment pas cher. Là. C'est des grosses serviettes en plus. Là. La seule affaire, c'est que là, j'en ai comme perdu une. En tout cas, à moins que ça part. Là. Mais c'est vraiment plein de boîtes. Là, parce que je suis comme dans un champ. Carrément un champ. Alors, voilà pour les serviettes. Donc, c'est pas mal ça qui fait le tour de mes achats. Oh non, c'est vrai, j'ai acheté. Je veux pas qu'elle retombe encore. J'ai acheté finalement des pocs de chlore comme ça. Parce que, de toute façon, vous allez voir dans mon restant de vidéo mon aventure de piscine. Attendez, je vais vous montrer. Donc là, vous allez voir cette partie-là, mais avant ça, je vous ai filmé la journée d'hier et après ça, je vous ai filmé la soirée d'hier. Alors, je vous dis dans le restant de ma vidéo pourquoi que j'ai acheté des pocs de chlore. Puis, c'est ça. Fait que ça fait le tour de mon achat. Puis, je suis bien contente de mes achats du village des valeurs. Malgré que mon petit côte, ça me fait un peu chier. Là. Je comprends pas, c'est marqué X large femme. Je trouvais qu'il y avait l'air. Si, mais lousse en même temps. Mais c'est ça. Finalement, les manches sont vraiment courtes. J'allais voir sur Internet voir un manteau de jeans à manches trois quarts. Voir si ça existe ou c'est vraiment soit un défaut ou c'est un manteau d'enfant, mais qui se sont trompés et qu'ils l'ont mis dans l'adulte. Voilà. Puis, j'allais voir aussi Chaps, c'est quoi cette marque-là, si ça vaut cher ou pas. Alors, c'est ça. Fait que je vous laisse pour faire. Pour continuer la suite de vidéo. Bye, bonne journée! Salut! Fait que, on est rendu dans la soirée. J'ai comme oublié que j'avais parti un vlog. J'étais dans le bain puis j'étais comme, oh my god, c'est vrai, j'ai vlogué. Mais c'est ça, 8h46 puis de toute façon, j'étais arrivée. J'ai terminé de travailler à 7h15 puis j'étais arrivée à la maison, je pense, à 8h. J'aurais pas bien plus vlogué, mais bon. Fait que j'ai eu quand même une grosse journée, sérieusement. Il y avait vraiment beaucoup de monde. Je pense que c'est la première journée qu'il y avait autant de monde. Puis, tu sais, c'est une journée debout, tu sais. C'est bien beau que vacciner, c'est pas super, mais être debout toute la journée, à un moment donné, là, au soleil, puis à pluie, puis à la chaleur, puis après au froid, on dirait que, ouais, c'est ça. J'étais bien brûlée, puis j'ai mal les genoux, les jambes. Puis là, ils font partir là, à la fin, parce qu'on a comme des lignes, là, je vous ai filmé un peu. On a comme des lignes, puis ils ferment une ligne, après ils ferment deux lignes, après ils ferment trois lignes. Puis là, moi, je suis restée la dernière ligne. Parce que les dernières fois, c'est tout le temps moi qui, pas tout le temps, mais ça a été moi qui était partie plus tôt. Fait que là, j'ai laissé les autres filles partir plus tôt. Puis, c'est ça. On dirait qu'à la fin de ta journée, là, t'en as comme plein de filles. Puis les gens, ils font toutes les mêmes répliques. Parce que, tu sais, quand que je vaccine, je leur demande est-ce que vous voulez le bras gauche ou le bras droit. Puis là, ils me disent, ben, celui-là sur le bord, parce qu'ils sont dans leur auto. Fait que, mettons, ils ont le bras gauche sorti de leur auto, ceux qui conduisent. Puis là, ils me disent tout le temps, ben là, c'est celui-là sur le bord. Comme si, genre, ça serait une évidence. Mais c'est pas une évidence. Tout le monde
a des préférences, genre est-ce que des fois les gens ils vont écrire de la main droite, fait qu'ils veulent se faire vacciner sur le bras gauche, des fois les gens dorment sur le bras droit, fait qu'ils veulent se faire vacciner sur le... Tu sais, des fois il y en a qui c'est droit, d'autres c'est gauche. Puis là, le monde, ils me font comme en leur disant, ben, quasiment si j'aurais l'air une conne, genre, ben voyons, c'est le bras là, je vais pas me tourner pour me faire vacciner. Ben oui, il y a du monde qui se tourne pour se faire vacciner de l'autre bras, même si le bras gauche est à l'extérieur du véhicule, puis c'est celui-là qui est comme plus accessible. Fait qu'à un moment donné, là, quand c'est rendu, puis t'as vacciné je sais pas combien de personnes, puis que la dernière personne, une des dernières personnes t'a dit encore, hé hey, là, je vais prendre lui qui est là, là. Tu fais comme, oui. Mais est-ce que tu peux me le dire? C'est quel que tu veux, le bras gauche ou le bras droit? Puis c'est ça. Puis en plus, il faut que je l'écrive dans le système. Genre, s'ils prennent le bras gauche ou le bras droit, fait que. Ou s'ils me disent, genre, ah ben, prends celle que tu veux, c'est toi qui décides. Mais non, je veux pas décider, je veux l'écrire. Fait que dis-moi, c'est quel bras que tu veux pour te faire l'accès. Fait qu'on dirait que. C'est ça. J'en avais plein, mais à la fin de ma journée. Mais bon, les gens sont pas mal intentionnés, puis c'est des questions normales, c'est juste que nous autres, à un moment donné, c'est toujours les mêmes questions puis les mêmes répliques. Ça devient redondant. Alors, c'est ça. Puis là, ben, je suis à bout de ma piscine. Je suis vraiment à bout de ma piscine. Je sais pas si vous avez une piscine à la maison, mais nous, on a acheté une grosse boîte de... comment ça s'appelle? De chlore en granule. Pas les pocs, mais en granule. Puis, on met ça dans la piscine. Puis ça marche jamais. Ça, soit que ça colle dans le fond, puis ça fait comme un... ça se mélange à l'algue, parce que ma piscine a fait plein d'algues, je sais pas pourquoi. Puis là, ça fait comme des spots verts dans le fond de ma piscine, avec les genres de granules blanches. Puis ma piscine est soit tout le temps brouillée, ou elle devient un peu claire, mais avec du vert dans le fond. Je sais pas quoi faire, sérieusement, je suis à bout. Ils m'ont dit de mettre mon chlore dans une chaudière et de le brasser avec de l'eau chaude avant de le mettre dans la piscine pour que ça se dilue bien. Ce que je fais, ça marche pas. Regardez la couleur de ma piscine. Elle est comme super embrouillée, puis elle est pas claire, pas en tout cas. C'est ça. Donc c'est ça, je suis bien à bout. On dirait qu'à tous les jours que j'ai le temps de me baigner, ben ma piscine n'est jamais belle. Ben la soirée, je ne suis pas baignée, mais je trouve ça plate que... elle soit pas claire. C'est ça. Fait que là, il est tard. Il est pas couché encore. Il est en train de boire son lait. Maman! Maman! Il est dans la maison avec Dani et Anthony. Puis, ben c'est ça. Je vous aurais pas montré grand-chose aujourd'hui. Je vais plus vous avoir parlé. Excuse-moi. Je vais plus vous avoir parlé. Fait que là, j'ai profité. Maman! Maman! Allô, mon amour! De la soirée avec mon fiston. Qu'est-ce que tu fais? Tu montes tes dents? Est-ce que tu montes tes dents? Je vous ai pas dit, hein? Ellie va avoir sa place au CPE. Ellie est dans une garderie en milieu familial. Puis, je suis inscrite au CPE depuis sa naissance. Puis, le CPE, c'est le CPE que mes enfants ont tous été, dans le fond, mes trois plus vieux. Puis vu que mon plus jeune, à part Ellie, l'autre, Félix, était déjà sorti de la garderie quand j'ai eu Ellie, mais j'avais plus comme la priorité, vu que ses frères ou sœurs sont à la garderie. Donc, j'ai été obligée de me trouver une autre garderie que j'adore. C'est une madame dans une garderie Maman! Familiale. Maman! Elle est super gentille et tout ça, sauf que c'est pas près de chez moi. Puis, veux pas, c'est pas un CPE. Puis... là, ils m'ont appelé pour me dire qu'Ellie allait avoir sa place au modèle. Baba! Alors, je suis vraiment, vraiment très heureuse. Mmh. Puis là, on a annoncé aujourd'hui. Mmh. On a annoncé aujourd'hui. Hier, mon chum a annoncé aujourd'hui. Hier, mon chum a annoncé que. À la garderie où qu'Ellie va, qu'il allait comme partir. Mmh. Puis il paraît qu'il était bien triste. Nous autres aussi, on est tristes parce que sérieusement, on l'aime beaucoup. Mais veut, veut pas, il y a beaucoup, beaucoup de plus qu'il y a au CPE qu'il continue à aller à la garderie familiale. Alors, on est bien contents, il devrait commencer au mois d'août. Alors, sur ça, je vous souhaite une belle soirée. Ellie va aller faire dodo bientôt. Puis moi, je vais aussi aller me coucher bientôt parce que finalement, je travaille demain. Parce que à ma job, ils m'ont appelé pour me dire qu'ils sont bien dans le chenoute, qu'il n'y avait personne
pour aller à la clinique demain. Fait que là, je leur ai dit que c'était correct, sauf que fallait que je finisse plus tôt parce que j'ai mon échographie demain. Alors, je vais faire de 8 à 1 en clinique, puis après ça, je vais venir à la maison pour me préparer pour mon échographie. Alors, c'est ça. Donc, je vous souhaite de passer une excellente journée, puis j'espère que vous avez aimé tout de même ce vlog que j'ai juste quasiment parlé. Alors, bye!